Puisque c'est en se parlant que nos univers fusionneront et donneront naissance à un monde plein de compréhension. Quand je repense à tout cela, je me dis que l'amour en est forcément le premier pas. Eh bien, c'est le deuxième tout, c'est Paradox, on se retrouve pour ce tout nouveau Let's Play sur Portal 2. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous faire ce Let's Play. Le premier avait beaucoup plu, donc j'entends pas moins du deuxième, même si je sais qu'il est nettement mieux. Je connais les grandes lignes, enfin je connais 2-3 petits passages, mais je me souviens plus du tout de tout le jeu. Donc on va le découvrir ensemble, d'avance. Donc, comment expliquer. Donc oui, donc, dans le premier, pour ceux qui se souviennent pas, je vais essayer de vous mettre des petites images, mais le premier, c'était terminé en baston qu'avait fait, je crois, exploser le centre contre GLaDOS. Donc on va voir ce qui se passe dans celui-ci. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Bien. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Bien. La partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Ok, ouais, c'est quoi cette journée? Bonjour. Votre cryostase a duré 9 9 9 9 9 9 9. Ce message a pour but de vous informer que tous les sujets de test doivent quitter sans délai le centre d'enrichissement. Tout sujet vous comptez de test ouvrir la porte sera réputé un de ces jours voulu demeurer en état de relaxation. Oui. Oula, vous avez une mine affreuse. Superbe. Superbe. Comment ça va? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Ok, donc ça commence déjà avec le bordel. Il n'a rien dit de plus. Je vais parler pendant le dialogue parce qu'en fait... Je vais nous faire sortir d'ici. Sinon, je parlerai jamais. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Je pense que je vais parler pendant le dialogue sinon je parlerai jamais. Ça va, de votre côté? Vous m'entendez? J'ai pas voulu mettre la facecam justement parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de dialogues. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. Si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois, non, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Dites pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. A priori, bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais... Je suis un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté? Vous tenez le coup? On essaye. Oh putain, l'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Approchez-vous, c'est un peu délicat. Et bien sûr, qui est le dernier informé? Moi, j'aimerais. À quoi bon me dire quoi que ce soit? Hein, je vous le demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser? Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose? Je vais pouvoir passer?
Il y a la place? Bon, il faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes? Ah! Oh zut, je suis rentré en plein dedans. C'est le bordel. Donc oui, donc... Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein, mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, a tout priori, le monde était vivant, pas du tout mort. A priori, on incarne okay, encore Shell. On y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Question... Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est la suite directe de Portal 1? Bonne nouvelle! A priori, oui. C'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... vous verrez bien. Accrochez-vous bien. J'adore les persuasions de tête. Bon, c'est un peu plus calme. Donc oui, donc a priori, on incarne toujours... Oh merde. Pourquoi ? A priori, on incarne toujours... Et voilà. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter. C'est déjà ça. Vous êtes formidable. Bonne chance. Bonjour, et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivations, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Allez-y. Imaginez un lilas, ça vous rappelle rien? Oui, Portal 1. Donc voilà, donc on est toujours Shell. On est... What? Les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Facile. Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire deux fois. Donc là, on est dans la zone vous de... remarquerez le champ de particules incandescentes situé devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé la traversant. Donc là, pour le moment, de ce que je comprends, on est dans les locaux de Portal 1. Cool. Bon, par contre, ça fait le bordel. Je crois que c'est un peu nous qui avons foutu le bordel dans Portal 1. Donc ce serait une suite directe. Ok. Cool. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Toujours aussi barré. On a 19 salles? Enfin... Non. En théorie, on a 19 salles. On sait très bien comment ça va terminer en bordel. Sans nom. Le jeu par contre a quelques lags, j'ai l'impression. Bon, par contre ils mettent qu'on peut jouer à la manette au jeu. Enfin, je vois vraiment pas comment quoi. Je vois vraiment pas comment on peut. Non, c'est l'autre que je veux. Merci. Très très simple pour le moment. Ok. Bon, très très simple. Mais bon, c'est le début. Ok. Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. À
avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. C'est le bordel. Quoi ? Comment ça nous réveiller à... ouais. Non. Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. What the fuck? Oh, il a l'air barré ce portail là. Oh, regardez. Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Mais je le vois pas. Oh eh oh ! Vous voyez le générateur ? Et au fait, vous êtes en vie ? C'est important, j'aurais dû commencer par là. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre, disons, une heure. Après ça, je fais demi-tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ça marche comme ça ? Allez, on y croit ! À dans une heure ! Enfin, peut-être. C'est le bordel ! C'est vraiment nous qui avons foutu un tel bordel ! En tout cas, on a déjà un portail, et ça, c'est très intéressant. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Ok, bon. C'est relativement simple pour le moment. Je parle pas beaucoup, c'est vrai que ça parle pas. Si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. Bien sûr. Mais donc, enfin, il a pas l'air d'avoir la voix du laser. Pas l'air d'avoir de la voix de GLaDOS. C'est peut-être pas GLaDOS en fait. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1. Ah, j'adore. J'adore pour le moment. Pour le moment, je le trouve tellement barré, mais tellement... tellement bien, moi j'adore. On va monter. Pour le moment, ça ressemble... Je vais pas dire de bêtises en disant que pour le moment, c'est les mêmes salles que Portal 1. Je crois pas dire de bêtises. Beau travail. Ce message étant pré-enregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. C'est le bordel. Qu'est-ce qu'on a foutu à Aperture Science ? Donc oui, donc apparemment Portal 2, donc qui serait apparemment la suite directe de Portal 1, on va être beaucoup plus libre, vous allez voir. Quoi, attends.
vois, wait, il y a un problème. Comment est-ce que je vais plus loin? Ah bah comme ça, ok, tout simplement. J'ai déjà commencé à bloquer. Non, c'est moi qui ai mal réfléchi, c'est différent. Ouais, j'essaie de vous passer un maximum de temps de chargement. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Voilà, j'essaie de vous passer les temps de chargement vu que c'est inutile et puis ça bouge pas mal. Enfin, il y a plus de petits objets FPS, donc bon. Bonjour. Ah là, ça devient du coup le portal. Qu'est-ce que ça fait si j'appuie là? Un cube ici. Ok. Viens avec moi. Petit cube. Parfait. Ensuite. Excusez-moi. Alors. Ok, j'ai compris. Parfait. Pas trop compliqué encore celui-là. Bravo. Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité, même dans des environnements apocalyptiques. D'avance, oui, la durée des épisodes, je sais pas, comme là, on va entamer notre salle. Enfin, ça va être par rapport aux salles. Je me suis dit 25 minutes, mais si en 25 minutes, on n'a pas fini la salle où on était, tant pis, l'épisode peut très bien faire 40 minutes. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Déjà, hop, on entre dans la salle. Alors. What? Ah, merde, je me retrouve dans Minecraft, moi. À me mettre en sneak pour pas tomber, mais... Ah, si ça marche. Ouais, ça marche à moitié encore. What? C'était ça quoi les gars? Non. C'est ça mais avec quelque chose d'autre. Ok, Ok. On va la refaire. Ah, ça marche pas de faire ça. Ok, attends. On va faire quelque chose comme ça. Donc moi, c'est parti. Yeah. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir, et l'avenir commence avec vous. Bien sûr. Les trois. C'est pas du tout kitsch, mais bon. Quand tu sais ce qui s'est passé dans Portal 1, on y croit. Après, peut-être que ça a changé, je sais pas. Mais bon. On va pas me faire croire qu'ils sont devenus tout gentils, tout mignons, quoi. On va pas me faire croire ça. Ok, donc. Ensuite. J'arrive là-bas. Go!
What? Qu'est-ce que... Ok, par là. Je me dis trop en fait que la première fois on a pu casser du verre. What? Attends. Ok. C'est parti! Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Je t'en... voilà. Portal. Pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi j'ai pas le son de la voix? What? C'est calme. Ouais. Yukaidi, Yukaida, je suis là. Yukaidi, Yukaida. D'accord. Formidable. Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail. Comme quoi c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Placez un portail sur le mur derrière moi et je vous retrouve de l'autre côté de la pièce. Le mur derrière toi? T'es où? Ah oui. What? Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrai. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prête à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. Non. À trois. On y va? Un... J'arrive à laisser tomber. 3. C'est haut, c'est trop haut même, non? Enfin. Bon, quand on y va à 3, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à 1 ce coup-ci. Allez, on est prêt? 1. Chopez-moi, chopez-moi. Ah, je suis pas mort. Pas mort. Branchez-moi sur ce truc là-bas sur le mur, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose, vous allez être scié. Quel truc sur le mur? Allez, fourrez-moi sur ce truc là-bas. Ça? Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde? Non. Genre vraiment? Je me suis retourné. J'y arriverai pas si vous regardez. C'est bon, vous pouvez vous retourner. Qu'as-tu? Paf! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Ramassez-moi, on part d'ici. Non. J'ai envie de m'amuser avec toi. Allez, et c'est parti. Commençons par ici. Oh, mais t'es un génie. Regardez, je suis plus tributaire du diktat du rail. Oh, c'est formidable. On peut aller où on veut. Quoi? Où est-ce qu'on va au fait? Attendez que je me repère. Il faut que... qu'on suive le rail. Oh non. Hey, bonjour, c'est ça. Au revoir. Surtout, les croisez pas du regard. Non, merci, ça va. C'est gentil. Avancez, avancez. Vous êtes en train de... Oui, au fait, je crois qu'il faudrait que je vous briefe sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez? Et si jamais elle est en vie, bah, elle va sans doute nous tuer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber. On n'a qu'à rester tranquille ici. Pour toujours. C'est un choix. Choix A, rester tranquille ici. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer, si elle est vivante. Si vous avez des critiques ou des réserves sur ce plan, ce serait le moment idéal pour les formuler. En tout cas, pour le moment, j'adore ce jeu. Mais on s'est déjà barré d'aperture, a priori. Donc là, on est... D'accord, je vais jouer carte sur ça. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée. Moi, je veux la voir. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Vous savez qui a fini par la désactiver? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé. Et puis maintenant, nous qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. On n'est pas Shell?
On n'est pas Shell. Ou du moins, on n'est pas la Shell. Regardez où on est. Là, c'est là où on a acheté les têtes. C'est là où on a battu GLaDOS dans le premier. Descendez cet escalier. Sautez. Ça passe. Ça passe. Formidable. Vous m'avez agrippé. Tout va bien. Rudement bien, même. Mais oui, n'aie pas peur. Je vais pas spoiler, mais pour ceux qui ont vu Let's Play sur Portal, ils se rappellent d'une chose. Ah, je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah, oh, j'ai recommencé. Vous avez pas peur? Il se rappelle d'une chose, et je vais pas spoil, enfin même si je m'en souviens ça, plus. C'est la salle des disjoncteurs. Mais bon, j'ai pas... Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Vous le voyez quelque part? Parce que moi, pas. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. Bien sûr. Que la lumière soit. Dixit, Dieu. Je citais Dieu. Ah! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave. Non. Ça devrait nous ralentir. Si, c'est inquiétant. Non, c'est même le contraire. C'est inquiétant. Merde. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Merde. Merde. C'est pas grave. Je peux le hacker. Merde. Derrière toi. Derrière toi. Non. Ok. Grouille. Mais j'ai pas essayé, mais vous avez intérêt. Quoi? Mise en marche terminée. Changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait de mal. Bonjour. Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Coucou, GLaDOS. On m'a beaucoup occupé. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Non. Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pourrons, je pense, mettre nos différends de côté pour le bien de la science. Sale monstre. GLaDOS. Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Non. Comme je vous comprends. Mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Merde! Nous y voici, l'incinérateur. Attention! Je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests, comme au bon vieux temps. Oui, mais on les commencera dans le prochain épisode. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ce début de Let's Play, les gens, est juste épique. On se retrouve du coup dans 2 jours pour la suite. C'était Paradox. Bye tout le monde. Bye bye.